pied là, qui a failli percuter le gardien danois au moment où il contrôlait le ballon. Mais belle relance là. Oui, parce que Djenepo ne défend pas sur Sardella. Le ballon est bon dans le dos de Gold. Dreyer et son pied gauche. Non, son pied droit. Il est Elle bon. Le poteau Torganaza. Reprise. Acrobatique, première occasion du match. Torganaza. Goeie cross is in. Sardella moet opletten, want Djenepo zit in zijn rug. Kan gaan voor de goal. Djenepo er voorbij. Overstapje, kans voor Djenepo. Nee! Mal à poser le jeu. Ritz relancé Torganaza. C'est un bon ballon de Mats Ritz. Torganaza va devoir patienter, ça arrive dans le rectangle tout doucement. Goldberg au premier poteau. Oh, non, deuxième, c'est but, il se trouve. Ah, c'est peut-être la première fois de la saison que Bocadi et Van Nostel se trouvent comme ça. Goldberg en profite pour ouvrir le score, le meilleur buteur d'Anderlecht, parce qu'il a son sixième but de la saison. Mais tout part d'une récupération du milieu de terrain qu'on disait en début. Verticale bal, snel naar voren na de recuperatie. En ondanks het feit dat er maar eentje voor de goal is, is die toch in staat om hem te maken. Een fameuze naast de bal zit. Palen voor de captain van de Roesjes. En dat Dolberg weet waar hij moet staan. Hij was de enige in de 16. Ja. Goeie scherpe bal van Hazard, oké. Okay. Hier op voorsprong gekomen in een competitiewedstrijd. 6 overwinningen. Twee gelijke spelen, niet meer verloren dus. Draaier, Hazard stuurt de Stroeikens de hoek in. En Boy gaat er naartoe. En is te veel bezig met Stroeikens, te weinig met de bal. En ineens is daar Draaier en is er de kans voor Hazard. Maakt zich vrij, Leoni, Hazard, Augustinsson met rechts. En appel voor handspel. En bal voor de voeten van Draaier, 0-2. Een flipperkastmoment in het strafschopgebied en uiteindelijk belandt hij dan toch nog voor de voeten van Draaier. En 0-2 voor Anderlecht. Maar wat mij betreft begint het toch met een Gooi die eigenlijk hier alles onder controle heeft en vooral... Là, une deuxième fois, on va mal dégager. Et puis là, il la met, Godard ne peut pas voir, il y a des joueurs devant lui. Regardez ici, on doit mettre le pied, même si on a peur, peut-être pour le penalty. Là, une deuxième fois ici, on va mettre le pied. Niks aan de hand, een correcte goal. Correct. Al staat hij, laat de bal liggen, daar is Draaier weg. Is het 0-3 voor Anderlecht? Draaier, wel, wat een weggever is dat. Staat daar, gaat hier eenmaal kopje onder. Seconden nadat het zelf mag aftrappen. Het devient 0-2 en vous allez voir, il va y avoir un allant finalement. Si c'est annulé, le standaard oui, va être annulé. Oui, fortement. Écoutez. Alors c'est 0-2. Ça change tout pour moi. Okay. Alors. Ah oui. Et il le sait. Daar zo. Iemand moet op naar zo, want die kan zomaar rechtdoor lopen. En redding van Schmeichel. Magnifiquement bien. Contrôle face à Sardella qui arrive. Goy. Ah, il y va, il a vu la porte s'ouvrir. Il attend une Goy. Et la claquette. Regardez attention, Dolberg tout seul là. Attendez, il a passé. L'avantage est laissé à Mario Struikens qui passe. Et là aussi, il y a presque faute. Mais avantage toujours, Struikens. Attends, Struikens pour qui? Pour le corner. Struikens mag ver komen. Draaier is rechts. Kan nu aangespeeld worden binnendoor. Maar Struikens temporiseert even. Meer voort van Stoddard. Terug, goede bal. Dolberg neemt hem mee. De berg uitgeweken. Le contrôle est réussi. Christensen. Dolberg, deuxième poteau. Torganaza attend. Ça fait passer par Draaier. Voilà, Torganaza, il est là. Le centre ou le tir? Oh, le ballon. Et bel arrêt. Godard. Kawabe, toujours ses feintes de frappe pour après chercher Kawa. En retrait, Kawabe, dévié, Kanga. Non. Djenepo. Kan openen voor Fossi. Doet dat met enige vertraging. Fossi tot bij Soa. En gekopt door Heden. En nu drie. Maar is er handspel mee gemoeid? Azate. Azate, excuus. Azate. Et là, c'est l'aansluitingstreffe qui est helemaal anders maakt. Regardez Soa qui est libre dans son rôle. Le centre est bon cette fois-ci. Alzate, de base, c'est compliqué hein, parce qu'il va contrer la tête et puis il faut réagir directement, c'est compliqué. Mais là, ce centre-ci, cette fois-ci, est bon parce que souvent, ils font les centres en ras de terre comme ça. Alors qu'il n'y avait pas faute de main, donc il a bien fait de toute façon. Struikens moet Fossi loslaten. Soa, Fossi, Kawabe. Oh, 2-3! Kawabe voor de gelijkmaker.
Bakker. Zo snel gaat het hier in Luik. Hop, on rejoue Nathan. Et là, on prend la confiance. Presque instantané de Kawabe. Il a un bon coup de pied. On le voit sur toutes les phases arrêtées qu'il donne. La vitesse de Fossi, l'intelligence de Sowa présent sur les deux buts. Et effectivement, c'est peut-être la première fois que le Standard joue aussi vite dans le rectangle. Et le Standard repart toujours un peu plus vite qu'en première mi-temps dans les transmissions. Ça joue beaucoup mieux. Oui. Fossi, ça passe encore. Le centre, deuxième poteau. Il n'y a que Sardella. Le deuxième ballon pour N'Gol. Va frapper. Pour Nathan N'Gol. En un quart d'heure, le Standard repasse devant. C'est fou. En Augustinsson in de wind gezet. En dan, daar was niemand inderdaad. Maar op de afvallende bal, de weggekopte bal. Centraal weliswaar van Sardin. N'Gol als eerste gereageerd. Eerst bij de bal. En niet getwijfeld. Als een echte spits afgemaakt. Borst. Er doet hem al tegen arm. Bien donné. Vasquez, c'est cadré. Rechterkant, Leonie. Verlengd door de Bast. Vertongen komt. Fantastisch, tout se passe bien pour le Standard. Leonie. Pas mauvais ballon, ça. De Bergosol. Oh, regardez sa remise du dos alors qu'il était par terre. Het einde van de wedstrijd. Sclessin ontploft nog een keer. Geweldige ontploft.